Aujourd'hui, on est à nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Alors, parce qu'il fait vraiment chaud. Mais genre vraiment chaud. Eh, j'adore l'hiver du Brésil, même si je suis confinée chez moi. T'as déjà vu un hiver où il fait 30 degrés? Genre, l'hiver, on a 3 jours de froid, c'est-à-dire 20-24, 20 le matin, 24 l'après-midi, et 3 jours de chaud, c'est-à-dire 30 degrés. C'est trop bien. Je suis trop heureuse de vivre ici, vraiment. Je pourrais plus retourner dans un monde où, genre, il y a un vrai hiver pendant plusieurs semaines. Ah non, non. Impossible. Donc, peut-être je vais passer ma vie au Brésil, qui sait, ou dans un autre pays chaud. Ma vie sera que le Brésil. Mais bon, bref, je suis hyper heureuse. Tu peux pas savoir, il y a du soleil, le ciel il est bleu. Moi, tu me mets juste du ciel bleu, je suis contente, déjà dans ma vie. Je suis heureuse parce que ce matin j'ai fait un peu de sport. En fait, ça fait un moment que j'avais pas fait de sport, tu l'as vu hein, dans mes vidéos, comparé au début de la quarantaine. Et si tu veux, il y a une espèce de truc, mais je pense que ce que je te dis là, tu le sais parce que vous l'avez tous vécu les Français, c'est qu'au début, t'es super actif et tout, tu fais plein de trucs et il y a une espèce de lassitude et de flemme qui s'installe et en même temps de la culpabilité parce que voilà, parce que tu fais rien en fait. Dans mon cas, c'est pas que je fais rien, je fais que travailler. Mais dans mon cas, la facilité, c'est de travailler plutôt que de faire du sport. Et je sais que pour d'autres personnes, la facilité, c'est de regarder la télé ou faire des jeux sur le téléphone plutôt que faire du sport. Mais dans mon cas, c'est de travailler. Parce que le travail, c'est ce que je fais au quotidien, en fait. C'est, voilà, c'est ma normalité. Et donc, j'étais un peu dans cet état-là où je culpabilisais parce que je me disais, mais en fait, je suis enfermée là. Tous les jours de ma vie, j'ai aucune activité sportive, je fais rien, je suis toute la journée assise. Sur une chaise en train de taper sur un ordinateur et c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour moi et même je pense pour ma santé mentale c'est pas bon de pas faire du sport. Et ce matin ça m'a saoulée d'être comme ça là, d'être un peu une larve humaine, mais en même temps faut pas culpabiliser parce que c'est un sentiment normal, on est enfermé, c'est un moment dur en fait qu'on est en train de vivre et c'est très difficile d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire les choses et d'arriver à trouver ces ressources là parce qu'au début c'était facile, c'était de la nouveauté, mais maintenant on a cette espèce de truc mou qui s'est installé, en tout cas chez nous on a des moments un peu de désespoir en mode putain mais tous les jours c'est les mêmes quoi. Et donc voilà, mobiliser cette énergie pour faire autre chose et notamment du sport c'est difficile. Ce matin je me suis motivée, pourquoi? Parce que je me suis levée en ayant mal à la tête. Hier j'ai pas tourné de vlog, toi tu le vois pas, mais hier c'était un jour sans vlog parce que j'avais extrêmement mal à la tête et c'est les migraines ophtalmiques que j'ai. Il faut que j'ai des lunettes, je sais, bref. Donc j'ai souffert toute ma journée. Aujourd'hui ça va être un jour de travail, comme si mes autres jours ils étaient différents. J'ai besoin de travailler sur ma chaîne brésilienne aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est un jour de travail. J'ai très mal à la tête, je sais pas pourquoi. Peut-être je vais mourir. Qui sait? Bisous. Et ça s'est un peu empiré parce que j'ai continué à faire de l'ordinateur et à lire sur ma Kindle. J'avais envie de finir mon livre, là j'ai envie de lire. Et donc ce matin je me suis réveillée avec ma migraine et c'était horrible. En fait ça me prend là dans les yeux et ça vient là, exactement là. Et donc je me suis rappelée que de faire du sport ça enlevait les migraines. Effectivement j'ai plus mal à la tête. Enfin je sais pas si c'est vrai en fait. Je sais pas d'où je me suis rappelée ça d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné une motivation et je me suis dit que je suis trop conne parce que de faire juste 30 minutes, je suis pas obligée de faire des trucs de ouf tous les jours. Faire 15 minutes, 30 minutes de sport, déjà c'est bien. Tous les jours, ça entretient un petit truc et c'est ces petits efforts-là du quotidien qui à la fin font des grandes choses. Et je suis tombée un peu dans ce travers qu'on a tous de voir le résultat final et se dire là c'est trop gros, je suis pas capable, c'est trop. Mais en fait ce trou, si tu le divises en plein de petits trucs, et bah tu les fais tous les jours et à la fin t'as fait ce trou et tu regardes derrière toi et tu te dis ah bon, waouh. C'était bah, ce dont je parlais dans une petite pensée d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Bref, ça me donne envie de faire un milkshake à la banane. Est-ce qu'il y a un lien dans ça? Non, bien entendu que non, mais là j'ai envie d'un milkshake à la banane. Donc je finis de faire mon ménage et je fais un milkshake à la banane. Si tu te demandes comment je suis passée de ça à un milkshake à la banane, pendant que je te parlais, à côté de moi il y avait des bananes et pendant que je te parlais je pensais que j'avais un verre de lait froid dans le frigo qu'il fallait que je le boive. Donc mon esprit a fait une association d'idées, milkshake à la banane, pendant que j'étais en train de te parler de sport. Ça n'a pas de lien mais mon cerveau fonctionne tout le temps comme ça, pendant que je fais un truc il y a un deuxième truc qui s'y passe, voire un troisième. Amanda, minha vida, vou continuar a trabalhar, porque amanhã você vai na minha casa.
Un beijo. Até amanhã. Beijo, amor. Até. Tchau, tchau. Tu vois, je me disais deux choses. Premièrement, le fait d'avoir fait du sport dans la maison, ça change vraiment la donne. En fait, j'étais un peu saoulée parce que c'est toujours la même chose dans ma cour là. Et beaucoup de chance d'avoir une cour. Mais marchant des chasses de long en large, au bout d'un moment, ça m'a un peu lassée. Et là, changer d'espace, ça change la donne. C'est un peu la même chose que quand des fois je travaille sur cette table plutôt que mon bureau. En fait, c'est trop bien parce que j'ai l'impression de changer d'espace. Et en temps normal, quand il n'y a pas une pandémie qui est en train de décimer la population mondiale, et ben. Je vais dans des bars, je vais au YouTube Space, je change un peu d'endroit. Et j'ai très hâte de pouvoir recommencer un peu ça. En fait, c'est trop bien commencer la journée avec du sport parce que ça te motive toute ta journée. Ça te met dans une énergie. C'est super dur d'avancer l'énergie pour te mettre dans l'énergie. Ce qui n'en est figurine. En fait, elle doit montrer ses différents looks pour le metteur en scène qui va choisir et après elle devra tourner la scène. Je te dis. Tout est sous contrôle. Non, non, non. Si le virus ne chega aqui, non, fille. Cadê meu genro ferido? Chama ele aí, instantinho. Eu já falei, tá tudo sob controle. Não, esse vírus não chega aqui não, filha. Il y a une voiture qui passe là avec des chants religieux qui disent vive Jésus-Christ. Et coucou, on est le soir. Alors là il est minuit, je vais aller dormir. En vrai je vais aller lire. En ce moment je lis un livre qui est trop bien. En fait j'ai fini plein de livres. Le premier livre que j'ai fini c'était celui qui s'appelle Le jour où je suis devenue stupide, qui est trop bien, je vais t'en parler en vidéo bientôt. J'ai fini un autre livre qui parlait des drogues, mais je sais plus comment il s'appelle, Success Story, qui est vraiment marrant, qui était chouette, et je t'en fais une vidéo bientôt. Et là sur ma chaîne d'ailleurs il y a plein de vidéos de livres qui vont sortir parce que je lis beaucoup en ce moment et que j'ai du temps pour écrire les vidéos pour les tourner, donc c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que je voulais dire, et là j'ai commencé un livre qui est trop bien. Enfin, je le commence tout à l'heure, mais il a l'air trop bien. C'est un livre en fait qui parle d'un monde imaginaire, c'est une dystopie, d'un monde où en fait tous les animaux ils ont attrapé une sorte de virus qui fait qu'ils sont impropres à la consommation
Et comme les gens veulent continuer à manger de la viande, et bien ils créent des clones humains qui sont faits que pour être consommés. Et il est totalement interdit de nouer la moindre relation avec ces humains viande en fait. Et en fait, il y a un boucher qui tombe amoureux d'une humain viande. Et du coup, ça tourne autour de ça. Et je pense que c'est une réflexion par rapport à notre rapport aux animaux, au végétarisme, au véganisme, tout ça. Ça a l'air vraiment chouette. Je suis trop contente de le commencer. Et je suis hyper contente de pouvoir lire là de ces derniers temps, parce que c'est trop bien de lire et d'avoir plein plein de livres. De te faire des vidéos de livres, ça renoue un petit peu avec ce que je faisais au début de ma chaîne il y a 6 ans. Donc c'est vachement chouette. Parce que au début, je sais pas si tu t'en souviens. Est-ce que tu t'en souviens? Je faisais que des vidéos de livres et c'était cool. Qu'est-ce que je voudrais te dire de plus? Ah oui, aujourd'hui je suis hyper contente parce qu'il y a un nouvel exercice qui est sorti sur mon programme. En fait, c'est une vidéo qui est exclusive. Je sais, le mot exclusif ça fait genre ouh, exclusif, mais j'ai du contenu en fait qui sort pas, qui ne sortira jamais sur ma chaîne et qui est que sur mon programme Bonheur. Et c'est une vidéo qui est chouette parce qu'en fait, elle parle du fait de faire une pause et de faire un bilan sur des expériences de vie pour pouvoir voir ce qu'on a appris dans ces expériences et pour pouvoir comprendre à quel point déjà on avance beaucoup et on a de quoi être fier de nous. La vidéo est chouette, l'exercice est chouette, c'est un exercice à faire en 5 étapes. Et si jamais tu veux le voir, je te mets un extrait à la fin de cette vidéo pour que tu aies le début de la vidéo et je t'invite à aller la voir sur le programme Bonheur, je te mets le lien dans la barre d'infos, d'accord? C'est chouette parce que le programme il est gratuit pendant un mois, donc tu peux juste y aller et pendant un mois tu vois tous les contenus, il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des exercices écrits, il y a un groupe Facebook qui est vraiment chouette avec des gens très chouettes qui échangent sur les différents exercices et sur plein de sujets hyper intéressants. Donc s'il te plaît, va voir, peut-être ça te plaira, peut-être ça te parlera et peut-être juste ça pendant ces 30 jours ça va t'apporter du bonheur et moi ça me va très bien. T'es pas obligé de rester après les 30 jours si t'aimes. Bien sûr que c'est cool parce que c'est du contenu qui est différent de ce que je fais sur ma chaîne et que c'est du contenu en plus, donc c'est cool. Mais si t'as pas envie ou si voilà t'as pas le temps, c'est pas grave. Fais juste pendant un mois et c'est déjà chouette, d'accord? Je te mets l'extrait. Qu'est-ce que je vais dire? Demain, il y a une surprise merveilleuse qui arrive dans ma maison. Si jamais tu connais mes vidéos, tu connais mon Instagram, tu sais déjà parce qu'il y a un petit décalage. Si tu sais pas, je te laisse patienter pour le prochain vlog qui sera dans 2 jours. Je suis trop contente. Oui, je sais que tu as deviné, hein, mais je te dis pas. Je suis trop contente. Et je suis hyper contente aussi parce que là, aujourd'hui, j'ai fait toutes mes vidéos pour un mois. J'ai un mois de vidéos de prête sur ma chaîne. J'ai quasiment un mois de vidéos de prête sur ma chaîne brésilienne. Et en fait, ça va me dégager énormément de temps pour pouvoir faire d'autres choses. Tu sais que je ne peux pas rester sans rien faire. Et je pense que ça va me dégager le temps pour préparer genre des semaines et des semaines et des semaines d'exercices pour mon programme Bonheur. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que je fais tout un peu au jour le jour et c'est cool aussi. C'est un autre rythme. J'aime bien. Mais j'ai envie aussi de pouvoir programmer des choses pour pouvoir me dégager du temps pour faire d'autres choses. Là, j'ai par exemple écrit une dizaine de petites pensées d'avance pour me dégager du temps, pour faire ces trucs-là que je te dis. Et ce autre chose, pourquoi je dégage tout ce temps, tout ce temps, tout ce temps, c'est parce qu'avec mon éditrice, on a commencé à discuter, on a commencé à élaborer un plan pour mon nouveau livre qui sera lu sur les femmes. Et donc, je suis hyper contente et j'ai juste envie d'avoir tout programmé, tout ce que j'ai à faire, de me poser et d'écrire. Et si jamais tu veux savoir comment ça marche pour mon livre, tout ça, si tu veux suivre, j'ai une série de vidéos sur ma chaîne qui s'appelle Journal d'écriture, dans lequel je raconte un petit peu tout ce que je fais. Voilà, donc là je vais tourner bientôt une vidéo qui expliquera ce premier pas de ce nouveau livre et je suis trop contente. Bref, en fait ça fait un peu flipper tout ça parce que j'ai un rythme qui est très 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 actif, hyper actif, parce que en plus de ça j'ai aussi ma chaîne de relaxation dans laquelle il y a des mois de vidéos programmées et j'ai des mois et des mois, j'ai quasiment un an de vidéos de rush pour faire des vidéos, donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup de contenu et il faut aussi que je me penche hein, pendant qu'une semaine je fasse que ça, que je programme un an de vidéos. Et en fait je suis hyper active dans ce moment là et ce qui me fait un petit peu peur c'est le retour à la réalité. Et soit
Je suis tellement hyperactive que je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance et quand je vais retourner à la vie réelle, ça va aller. Soit je vais retourner à la vie réelle et je vais réussir à concilier cette vie superactive et ce contenu de tous les côtés, plus mes voyages de meuf, parce que mes voyages de meuf, normalement, si tout va bien, reprennent en septembre. Et à partir de septembre, j'en aurai tous les mois pendant un an. J'en ai mis plein pour pouvoir combler un petit peu le fait de, que... Bah, on n'a pas pu les commencer en juin comme prévu et j'avais aussi beaucoup de demandes. Donc, et d'ailleurs, bientôt je vais annoncer les dates parce que je suis en train de voir les places qui sont libres dans tous mes voyages. Donc si tu veux savoir les dates, tu m'envoies un email sur info@lecorlamaisonesprit.fr et comme ça je te dis les dates dès qu'elles sortent. Bref, donc je me dis peut-être que je vais arriver à concilier mes voyages plus mes activités de la vie, plus mes 4 chaînes YouTube, plus ma petite pensée de tous les matins, plus mon programme bonheur, plus être guide à Rio, plus avoir mon agence de tourisme, plus ma maison d'hôte, plus avoir une vie sociale et sortir parce que la quarantaine sera finie, j'aurai envie que de sortir, plus avoir un mec et faire ma vie avec mon mec, plus voyager. Oh mon dieu, c'est pas possible. Il y a un moment donné, ça va pas marcher, il y a trop de choses. Mais, toi et moi on se connaît, tu sais que ça va marcher, ça va marcher. Bref, écoute. Je suis surexcitée là, donc il faut que j'aille dormir. J'ai trop parlé, j'ai beaucoup trop parlé. Je te fais des bisous. Ça marchera. Et je vais lire. En fait, là, je suis un peu dans le truc de j'ai envie de faire plein de trucs maintenant. J'ai envie d'écrire plein de vidéos. Parce que j'ai tourné tellement de vidéos que là, maintenant, il faut que je passe en mode écriture. J'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup monté. Maintenant, il faut que j'écrive. Pour pouvoir tourner mon tel. Ah, c'est un cycle comme ça tout le temps. Et j'ai envie d'écrire les vidéos des. Du mois de juillet par exemple, là j'ai envie de faire un mois de vidéo. Donc il faudrait que j'écrive. J'ai envie en même temps de monter mes vidéos brésiliennes pour ma chaîne. J'ai envie en même temps de lire. J'ai envie en même temps de... Oh putain, j'ai envie de faire trop de choses. D'écrire mes prochains exercices pour le programme bonheur. J'ai envie de trop de trucs en même temps. Allez, je te laisse. Bisous. À demain. Ciao. L'exercice d'aujourd'hui, je voudrais te le faire en vidéo et je voudrais te proposer de toi aussi faire le bilan. Alors non pas un bilan de ta vie, mais peut-être un bilan de quelque chose que tu as accompli. Et ce quelque chose que tu as accompli, ça peut être soit un projet au bout duquel tu es arrivé, ça peut être par exemple des cours, un enseignement, un truc que tu as appris et soit tu es en chemin, soit tu as terminé de l'apprendre. Par exemple, dans mon cas, ça serait le fait que, à un moment donné, il y a 3 ans, j'ai décidé de quitter la France pour pouvoir faire le tour du monde. J'étais dans une situation compliquée, on a l'impression que ça ne sert à rien, qu'on est malchanceux et on ne comprend pas. On a une sensation profonde d'injustice. Et puis quand on fait le bilan des jours, des semaines, des mois plus tard, eh bien on a ce recul nécessaire pour comprendre qu'est-ce que la difficulté nous a apprise.